Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour une heure entière de jazz, oui, jazzophile et les mondes jazziques. En espérance et en errance, aujourd'hui toujours des chroniques pour le plus grand plaisir de vous tous. Du jour. Oui, nous progressons, nous continuons dans cette route infernale qui semble sans fin et qui est toujours semée de pépites sur notre route, la route des standards. Alors, le Book of Standards, les Whale Books qui ont été publiés et republiés, rassemblent toute cette chose un petit peu étrange, énigmatique, qui forme d'ailleurs le jazz comme une véritable musique d'initié, hein, de ces mélodies plus ou moins incertaines, parfois on ne sait pas pourquoi, c'est devenu des standards, qui sont la manne, le fondement de l'improvisation des musiciens dans le jazz, par lesquels passent tous les apprentis jazzistes, avant d'arriver donc à leurs grandes heures, à leurs grandes formes. Les standards sont enregistrés, on pourrait dire que comme les grands thèmes, les grandes partitions de la musique classique, eh bien les standards sont un petit peu le passage obligé de tous les grands musiciens aussi, qui tentent de recréer un peu à leur manière, alors essayant justement de surpasser leurs aînés dans ce test, dans cette volonté aussi d'apporter une pierre supplémentaire à l'histoire du jazz. Le standard du jour qui va nous intéresser, ben c'est Take 5. Alors Take 5 est peut-être la mélodie jazzique la plus entendue, la plus connue du grand public. On la trouve dans toutes les compiles, vous savez, ces compiles où on dit que ce sont des morceaux de jazz, alors il y a plus ou moins de la soul, du funk, etc. Puis on met quelques bouts de jazz dedans pour voir. Mais Take 5 est toujours là, Take 5 est partout, il est dans les sonneries de téléphone, on le retrouve partout, partout. C'est assez étonnant d'ailleurs que ce thème et que cette mélodie aient traversé comme ça les âges et les supports, et en étant quand même un standard qui n'a pas forcément été tant de fois réenregistré. En effet, la mélodie qu'on a en tête, c'est l'interprétation première, l'interprétation créatrice. Alors, il y a quelques autres réinterprétations qui ont été faites, dont une que je vous passerai, qui est quand même monumentale, donc on ne va pas s'en priver. Mais le morceau composé par Paul Desmond, à la demande d'ailleurs de Dave Brubeck, hein, avec qui il partageait le quartet à l'époque, accompagné de Gene White à la contrebasse et Joe Morello à la batterie, donc ce quartet vraiment significatif de Dave Brubeck, eh bien, Take 5 était coulé dans le bronze dans cette interprétation, il sera réécouté au fur et à mesure de l'histoire. C'est donc la première fois même qu'il y a un single de jazz moderne, actuel, qui va exploser le hit parade. Ça sera d'ailleurs aussi, je pense, la dernière fois. Très exactement. Alors, Take 5, au départ, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un morceau qui, justement, est demandé par Brubeck pour son disque Time Out. Vous savez, il a sorti à un moment donné, justement, dans ce quartet, 5 ou 6 disques, je crois que c'est à peu près 5, qui reprennent tous le titre Time. Alors, Time Out, Time Further, Time In, etc. Qui était aussi une volonté de jouer sur le tempo. Et l'originalité de Take 5, c'est justement de prendre un tempo original, et donc en 5-4, hein, d'où le nom Take 5, 5-4. Et ce tempo qui est demandé, donc il demande à Desmond de faire une mélodie, et ben c'est pas transcendantal au départ. Hein. Même le producteur de Columbia Records, Goddard Lieberson, refusera d'en faire un single, alors que bon, le morceau va exploser les ventes d'ailleurs du disque, vont permettre l'explosion. Alors, Desmond également n'est pas satisfait outre mesure de cela. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va composer deux thèmes. Il va composer d'abord une première en mineur, sur lequel il va faire une petite variation, et une deuxième en majeur, où il ajoute des clés un petit peu harmoniques, comme ça, qui changent un petit peu la mélodie. Il demande l'avis à Brubeck, et bon, il va faire un patchwork de ces deux mélodies. Boum. Et ça donne Take 5. Donc, Desmond lui-même n'était pas forcément convaincu de la grandeur de ce thème, et il aurait d'ailleurs volontiers cédé les droits très facilement dès le début pour s'acheter un rasoir électrique.
hein, c'est lui qui l'aurait dit, citation de l'auteur. Desmond et Brubeck créent donc une bombe dans l'univers du jazz, puisque Take 5 va devenir le morceau légendaire. Alors au départ il y a pas de paroles, mais pour le deuxième enregistrement de Take 5 que préside Brubeck et Desmond, il va y avoir la chanteuse Carmen McCree. Et Carmen McCree, donc il faut fatalement des paroles. Donc Desmond demande à son papa de l'aider à rédiger un texte pour Take 5. Ce texte sera enregistré et va être évidemment repris par un chanteur monumental. Et c'est cette interprétation-là que je vais vous donner de suite. C'est celle d'Al Jarreau qu'il enregistre en 1977 sur le live Look to the Rainbow. Alors là où il explose cette forme rythmique, et c'est de rester légendaire. Deux interprétations, toujours pour un seul standard, pour voir les confluences, les affrontements. Le premier, c'est Al Jarreau. Le deuxième, c'est le trio d'Emmanuel Bex, qui est enregistré en 2013. Deux visions, deux sonorités pour un magnifique Take 5. Jump down, fool around, could you fool around, say, one, two, three, and four, and five, one, and 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 three. Now can you count to one, and three? Please take and take the time out to see that I'm alive, I'm alive. Although I'm going out on my way just so I can pass by each day, not a single word do we say. It's a pantomime and out of time, still I know all eyes are for me. I feel tingles out to my feet when your smile is much too discreet to send me on my way. Now wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's alright when you take it by. Take a little time out with me, the pretty baby, take five. You stop your busy day and take the time out to see, girl, that I'm alive. Oh, I'm going out of my way just so I can pass by each day. Not a single word do we say. It's a pantomime and out of time. Still I know while I talk for me. Half a tingles down to my feet when you're smiling, rush to the street, instead of me gone away. You'd be better not to be so polite. Princess, tell mama, you know that you could offer me a light. Start a little conversation now, it's all right. Will you take five? So I can pass my day, not a thing of word do we say. Guess a pantomime and out of time, still I know what I'm talking about.
me. Apple tingles down to my feet. When your smackers went to the street, it's telling me I'm away. Well, baby, just don't say I'm on it. Please do not stay. You could offer your hand. Hugging and a chugging, it could be all so bad. Take five. Come take five. Come take five. Could you take a two? Could you take a three? Could you take four? Five? Two, three, five. Listen to the things, listen to the words, listen to the things, listen to the things I told a girl, listen to the words, listen to the words I told a girl, listen to the words, listen to I told her, ooh, sweet thing, you take a little bit of time, baby. Told her, ooh, sweet thing, could you take a little bit of time, honey? We can play around, we can fool around, we can jump down, fool around, play around. We can do it all the time. Come take five. 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 Come Take Five en 1977 à Al Jarreau au chant, Abraham Laboriel basse, Joe Carreiro percussion, Lynn Blessing vibraphone, Tom Canning au clavier. On se laisse entraîner par le BFG, à savoir le trio d'Emmanuel Bex sur le disque Now or Never. C'est toujours, toujours Take Five.
Surnommé BFG par abréviation de la première lettre de chacun des musiciens, B pour Emmanuel Bex, F pour Glenn Ferris, le tromboniste, et G pour Simon Goubert, le batteur, sur le disque Now or Never, c'était en 2013, et le thème, ben, lui, il n'a pas bougé, c'est bien évidemment Take Five, très belle interprétation, qui jouait d'ailleurs avec un petit peu des motifs qui faisaient penser un petit peu à la musique plus populaire, hein, avec les balles dansant, quand il reprenait ce Take Five à l'orgue, comme ça, juste un petit peu dansant, avant de repartir sur une variation très, très post-bop, quoi, très, très jazz. Alors, deux Take Five pour le prix d'un, j'ai envie de dire, c'était évidemment les standards du moment. De la Jazz Box qui va nous conter une fois de plus ses merveilles et une fois de plus une nouveauté, celle du jeune trompettiste et magnifique et brillant Christian Scott, qui sort un nouveau disque Stretch Music, quelque chose façonné de façon assez originale autour de musiciens qui ont un quintet de forme et qui vont avoir quelques autres ouvertures. Il y a Elena Pinderhugs à la flûte notamment, qui apporte une sonorité très très belle. Le thème que je vous propose d'écouter tout de suite, c'est West of the West. We'll be right back.
West of the West, c'est le thème du dernier disque de Christian Scott, un véritable monument de travail d'ouverture sur tous les styles. Il y a un mélange et un métissage assez étonnant. Hein. On va du funk à l'électro, en passant par le jazz fusion. Enfin, c'est vraiment un disque un peu total. Alors, j'aime pas l'expression de musique du monde, hein, comme s'il existait une musique du monde. On pourrait dire que là, c'est vraiment un mélange plutôt de plusieurs styles musicaux que possède Christian Scott, qui font partie de la culture musicale aussi du trompettiste, et qu'il a essayé de restructurer et de sublimer en essayant de créer quelque chose de nouveau. Alors il va même créer quelque chose d'encore plus nouveau, puisqu'avec la sortie du disque, il y a une application téléchargeable, Stretch Music, donc qui est le même nom que le titre de l'album, qui permet en direct et bien de détailler pour l'auditeur et pour le mélomane, de détailler tous les instruments qui sont joués, de les couper, de ralentir le tempo, de les accélérer et de voir en même temps la partition se jouer de la même façon. Donc on a les différents instruments sur une application qui permet comme ça de suivre le morceau. Donc voilà, rendre un peu son disque un petit peu différent. Donc il y a du pop, il y a du rock, il y a de l'hip-hop, il y a du fusion, il y a du jazz. C'est très très mélangé, c'est assez intéressant à voir. Tout n'est peut-être pas exceptionnel dans ce disque, mais il y a pas mal de morceaux qui sont remarquables. Tout de même, quand même, j'ai cité les musiciens, oui. Ce serait honteux de les oublier. Christian Scott, évidemment, à la trompette, mais aussi au corps. Et sur ce morceau, il y avait Elena Pinderhug à la flûte, Braxton Cook au saxo alto, Corey King trombone, Cliff Hines guitare, Lawrence Field piano, Chris Funn basse, Corey Fonville à la batterie, et en spécial guest, il y avait Matthew Steven à la guitare. Sur ce thème-là, le disque, c'est Stretch Music, Christian Scott, pour cette jolie et délicate petite jazz box. On va poursuivre donc notre traversée des jazz, puisque nous en y étions aux différents style jazzique, on en était toujours au West Coast Jazz. Oui, le West Coast Jazz, donc ce jazz de la côte ouest, aussi un petit peu baptisé le cool jazz, parce qu'il y a cette ambiance, il y a cette mélopée, cette musique un petit peu étrange d'une côte très chaude. Ça se passe à Los Angeles, ça se passe à San Francisco, c'est là qu'ont été créées cette musique-là. Un jazz de blanc aussi, à ne pas oublier, hein, par opposition au bebop qui se développe, qui explose, qui refuse la forme du swing à l'époque et qui va être vraiment un style de la côte est, hein, essentiellement même de New York, et qui va révolutionner les genres. Eh bien, le West Coast le révolutionne, mais en essayant de garder quelques styles. Alors, il y a des grands noms. On a vu déjà un peu le West Coast, mais il y a des grands noms qui vont émerger. Aujourd'hui, je me disais quand même qu'il était important de ne pas passer à côté de Stan Getz, puisque c'est l'un des grands noms qui va émerger du style West Coast, et on va l'écouter avec un autre moins grand nom de la trompette, puisqu'ils sont tous les deux ensemble à Los Angeles à ce moment-là, c'est-à-dire à la naissance, pourrait dire, de ce West Coast, c'est Stan Getz et Chet Baker. Thank you.
Délicat Chet Baker qui donnait la réplique à Stan Getz en 1953 en live au Hay Club en décembre 53. Le très bon pianiste Russ Freeman faisait une belle interprétation. Le très bon bassiste également Joe Mondragon et le non moins remarquable et maître de la cérémonie peut-être le batteur Shelly Manne, patron du style West Coast Jazz, en donnait d'autant plus. Alors là, c'était un live, et un live assez de légende, on pourrait dire même des after hours, vous savez, tout ce qui se passe dans le monde du jazz après que les concerts aient été donnés, quand ils se retrouvent, qui font des choses un petit peu magnifiques dans des rencontres d'ailleurs assez inoubliables, et pas toujours présentes l'enregistrement et sur les CD. Donc c'était assez remarquable de la voir là. Stan Getz est au tout début de sa carrière, du moins de sa renommée, et il va enregistrer avec l'autre grand nom du West Coast Jazz, qui est le saxophoniste baryton, le rouquin infernal, Jerry Mulligan. Ils enregistrent tous les deux un disque qui au départ s'appelle Hi-Fi et qui va être républié après quelques années plus tard sous le titre Jerry Mulligan meets Stan Getz. Et ces deux messieurs sont produits par Norman Granz. Oui, c'est un disque Verve. On en a parlé un petit peu, voire même beaucoup, de Norman Granz la semaine dernière pour la spéciale Verve. Et donc c'est le 12 octobre 1957 que Stan Getz et Jerry Mulligan sont ensemble, avec Ray Brown à la batterie, Stan Levy à la batterie et Lou Levy au piano. Lou Levy aussi grand nom, autre grand nom du West Coast Jazz, s'il fallait le nommer également. Donc une réunion, une rencontre, et c'est un thème de Jerry Mulligan qu'on va écouter, qui est une ballade, tout simplement, a ballade. Thank you.
Sonorité du maître Jerry Mulligan au saxo baryton, ce thème est tout à fait fantastique. Ballade, on voit les deux chants entrer l'un à côté de l'autre et vraiment se réunir. Stan Getz et Jerry Mulligan pour cette belle promenade en West Coast Jazz qu'on poursuit la semaine prochaine, bien évidemment. Your kicks and Duke's grace, take it, Duke. I am Duke Ellington, and Duke Ellington was one of the greatest musicians that ever lived. Thank Duke Ellington for being part of this world. Roundabout Duke. Aujourd'hui, c'est Money Jungle. Exceptionnel moment de rencontre des genres et des styles qui nous accompagnent. Duke Ellington piano, Charles Mingus batterie, contrebasse et Max Roach batterie. L'instant de plus. Il existe dans l'étendue magistrale du champ des sentiments une petite lande à l'écart que l'on convoite sans jamais vraiment y parvenir. C'est un temps de l'exception. Il ne faut pas trop l'étendre, il ne faut pas trop lui donner d'ampleur. Sinon, il ne serait plus ce moment d'incertitude, ce faisceau de grâce offert à nos corps en peine. Lorsqu'on y pénètre par enchantement, c'est tout un pan de notre carcan, de notre logique d'avant qui éclate à la volée. Nous découvrons quelque chose qui nous était bien étrangère, voire même inconnue. Cela nous touche, ouvre en nous des possibilités nouvelles et projette des fantasmes étonnants sur la tapisserie de nos rêves. Croyez bien que telle révolution interne n'arrive presque jamais seule. Elle semble d'une rareté à faire pâlir la lune. Dès qu'on y est confronté, on le sait, on le ressent et plus rien n'est jamais plus comme avant. Dans la logique du monde, dans l'organisation banale du cosmos, jamais un tel prodige d'irréférencieuse provocation n'aurait pu poindre. Mais là réside toute l'invention et la créativité. Elle ne va jamais vers ce vers quoi on l'avait dirigé. Elle suit sa propre vie, sa propre folie au fond. Jamais le Duke n'aurait dû rencontrer Mingus et Roach. Jamais! Surtout pas. Car cela créa un tel chamboulement des genres d'un côté comme de l'autre que bien des choses n'auraient pu suivre leur cours. Money Jungle est une œuvre en elle-même. We'll be right back.
après Money Jungle, titre éponyme du disque révolutionnaire que Duke Ellington, Max Roach et Charles Mingus enregistrent ensemble, c'est Wigwise, on poursuivra la belle épopée du Money Jungle et du Duke Ellington pianiste. La semaine prochaine, Jazzophile se referme sur ce très beau thème. Wigwise, à la semaine prochaine pour nouvelles aventures de jazz.